La soirée Pecha Kucha des élus, c'est l'occasion de réunir 14 maires, 14 élus de l'île de Montréal, à venir partager leur vision de leur territoire, de leur arrondissement, mais plus largement aussi de l'île de Montréal. La soirée s'adresse au réseau Pecha Kucha, que l'on voit tous les trois mois ici à la SAT, mais s'adresse aussi plus largement aux citoyens montréalais. Pecha Kucha, c'est un concept assez simple, 20 diapos, 20 secondes par diapo, ce qui donne un pitch d'environ 6 minutes 40. L'objectif, c'est vraiment de créer un moment de rencontre entre deux univers qui ne se parlent pas assez. Je suis venu voir ce que nos élus ont à dire sur le design. J'avais envie de voir sous un autre jour les politiciens qu'on côtoie dans le domaine, puis les voir un peu contraints à s'exprimer dans un cadre serré. Montréal, c'est une ville qui peut devenir intéressante si on y met l'énergie, si on y met la volonté politique, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Pour réaliser cette vision, on a besoin de vous. On a besoin des créateurs, des architectes, on a besoin des projets, on a besoin des idées, on a besoin des concepts. Ce qu'on veut construire à cet endroit, c'est un nouveau quartier urbain branché plus vert. Le développement du Sud-Ouest, nous le voulons extrêmement créatif. Si tout ne se passe pas au centre-ville, tout le monde passe au centre-ville. Tout le monde a une opinion, tout le monde a une relation. 120 pieds de béton, ça c'est l'ancien tour d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si vous avez les idées, s'il vous plaît, me dire ça. On a notre nouvelle bibliothèque de 24 millions qui va être construite, pour laquelle on doit soumettre ça à un concours architectural. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que l'on puisse préserver le cachet industriel du secteur Est de la Chine dans toute nouvelle construction résidentielle. Comme maire de la métropole, je m'engage à les réaliser et à vous impliquer dans ces concepts. C'est encourageant pour nous, en tant que designers, concepteurs, de voir qu'il y a eu cette implication-là. J'espère que l'invitation sera relancée. C'est un beau début de dialogue aussi et d'échange d'idées. Ce qui m'a étonnée la soirée, c'était beaucoup le dynamisme et la passion qu'on pouvait lire sur chacune des présentations. En ce moment, je pense que c'est clair que Montréal a la volonté d'être une ville de design. Une soirée comme ce soir, ça fait aussi que tu le vois. Tu sais. On est en train de réfléchir, avec tous nos partenaires, on veut réellement construire toute une programmation d'activités qui va susciter de l'enthousiasme, qui va susciter du débat, puis qui va susciter de la créativité autour, donc, et des projets concrets là, pour que tout ça devienne plus réel. Donc, c'est le début de quelque chose. Je suis très fier d'être maire de cette métropole et surtout d'être le catalyseur qui va vous permettre de réaliser vos ambitions. Bonne soirée!